Le plan national de développement PND 2021-2025, les propos du ministre Kwaku Koumoun-Bertin relatifs aux prisonniers politiques, les inondations à Abidjan et la situation des exilés ivoiriens sont les sujets abordés par le ministre Justin Katinankone ce jeudi 23 juin 2022 lors du deuxième numéro de la tribune du PPACI au siège de la plateforme EDSI à la Riviera à Nono. Le conférencier décrit l'endettement excessif de l'État qui compromet l'avenir des générations futures. Le gouvernement ivoirien, pour ce programme, il veut mobiliser pour ces quatre années qui viennent, 2021-2025, 59 000 milliards de francs CFA. 59 000 milliards de francs CFA que le gouvernement entend mobiliser pour assurer donc son programme de développement pendant ces quatre prochaines années. Et ces 59 000 milliards se composent de la façon suivante: 21 000 milliards de fonds propres, fonds publics de l'État, 26 500 milliards auprès du marché monétaire, du marché financier, des bailleurs de fonds, et 11 400 milliards auprès de ceux qu'on appelle les institutions non traditionnelles d'investissement, les FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, enfin tout ce que vous savez. Donc, voici ce que le gouvernement dit, les sources que le gouvernement a identifiées pour mobiliser 59 000 milliards de fonds CFA. Alors, nous faisons une interrogation, mais ce n'est même pas une interrogation, c'est une affirmation. Nous affirmons donc que l'intégralité de ce programme repose sur la dette. Ainsi, propose-t-il au gouvernement le système de budget sécurisé expérimenté sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Nous avons déjà fait l'expérience du budget sécurisé, qui nous a valu l'admiration, de tout le monde. De 2000 jusqu'à 2011, nous avons joué, nous avons vécu avec sur nos propres moyens. C'est ce qui était le budget sécurisé. Nous voulons inviter le gouvernement à s'initier. S'il ne comprend pas le mécanisme, qu'il nous approche, on va les aider, on va leur expliquer. Mais il nous semble impossible pour quelqu'un de prévoyant qui gagne 1000 francs et qui dépense 5000 francs. À la limite, si vous dépensez 1200 francs, on peut dire, bon, c'est pas grave, 200 francs là, on peut. Mais vous dépensez 5 fois plus que ce que vous gagnez. Alors, l'une des conséquences, c'est que chaque fois 5 fois plus que vous gagnez, c'est que vous êtes obligé de priver vos familles à un moment donné du minimum pour rembourser la dette. Ou alors, vous leur demanderez, en tant que chef de famille, de contribuer beaucoup plus pour vous aider à payer la dette. Et alors, ce que la Côte d'Ivoire a trouvé, c'est d'augmenter, de créer des ressources fictives un peu partout, en taxant la population, d'où la question des péages. Les péages sur les routes, et dont aujourd'hui, le péage sur la route de Bassam, qui est quand même assez rocambolesque et qui est quand même quelque chose d'inédit. 14 km pour 1000 francs, et puis on me dit que l'ouvrage a coûté 23 milliards, mais qui leur a dit d'aller prendre, faire un ouvrage de 23 milliards sur ça? Qui leur a dit ça? Donc pour nous, tout ce que vous voyez, cherté de la vie, tout ce que vous voyez comme tous ces prélèvements que le gouvernement est obligé d'imposer, toutes ces prestations payantes qu'il impose aux populations, c'est pour faire face réellement à sa lourde dette, à sa grosse dette. Le ministre Kone Katinan est revenu sur les propos du ministre de la Réconciliation, Kwadio Koumoun-Bertin, relatif aux prisonniers politiques. Sur ce point, la position de son parti est claire. Il existe bel et bien des prisonniers politiques. Par ailleurs, l'ancien ministre du budget s'interroge sur les conditions d'évasion d'un trafiquant de drogue précédemment condamné à 10 ans de prison. Tous ceux qui sont en prison à la suite des autres crises sont pour nous des prisonniers politiques. Et nous allons nous expliquer pourquoi. La notion de prisonnier politique est une notion subjective. Chacun la définit selon ce qu'il entend. La définition de l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, est différente de la définition de Amnesty International, qui est différente de celle de Human Rights Watch. Donc,
La question, on ne peut pas se baser sur le fait que des personnes qui étaient en prison, parce qu'on les a jugées, ou alors on les poursuit pour des faits qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas des faits officiellement et, je dirais, ouvertement politiques, pour dire que ce ne sont pas des prisonniers politiques. Pour nous, tous les prisonniers des crises politiques qui ont lieu en Côte d'Ivoire sont des prisonniers politiques. Et nous avons une liste ici de 104 prisonniers politiques. Nous demandons au ministre Kakabé, qui est chargé de la réconciliation, d'œuvrer de tout son pouvoir pour procéder à la libération, pour obtenir la libération de ces personnes. Que dire des inondations à Abidjan avec le lot des désolations? C'est le troisième sujet développé par le vice-président du CISP. En ce qui concerne les réfugiés politiques, le porte-parole du PPACI s'indigne de la méthode du HCR et apporte le soutien de son parti aux exilés. Les réfugiés ivoiriens constituent une sorte de miroir qui renvoie à l'ONU son rôle prépondérant dans la crise ivoirienne. Et ça, ça les a toujours dérangés. Ça les a toujours dérangés. Et ce rôle a été reconnu en filigrane dans la décision de la CPI du 15 janvier 2019 qui a quitté le président Laurent Gbagbo. Donc, en supprimant le statut d'exilé, l'ONU veut se donner bonne conscience, c'est-à-dire veut se mettre en harmonie avec sa conscience. Parce que déjà en 2015, celui qui vous parle, c'est un exilé, il a fait 10 ans d'exil. Déjà en 2015, le septembre 2015, sans autre forme de procès, l'ONU a supprimé, le HCR a supprimé les subsides qu'il donnait déjà aux réfugiés dans les camps, déjà en 2015. Donc, c'est une position constante de l'ONU, un regard embarrassant de l'ONU sur le cas des réfugiés ivoiriens. Donc, nous ne sommes pas surpris, nous. Mais ce qui nous pose problème, nous, c'est que le gouvernement donne l'impression que les Ivoiriens qui sont en exil ne voulaient pas rentrer au pays. Ce qui est faux. Et les statistiques nous le donnent. Aujourd'hui, les dernières statistiques qui m'ont été données dans mes recherches à partir de l'administration ghanéenne qui gère les réfugiés, est simple. Il y a 950 sur les dizaines de milliers, des milliers en exil. Puisque chaque année, alors on vous explique le scénario, chaque 3 ans, le ACG fait une évaluation pour voir quel est l'état d'esprit des réfugiés, est-ce qu'ils veulent retourner ou ils veulent rester. Et à chaque fois, les conclusions sont constantes. Les Ivoiriens en exil veulent retourner dans leur pays. Aujourd'hui, la dernière évaluation, il n'y a que 950 personnes qui ont décidé, en ce qui concerne le Ghana, de rester en exil, de garder le continent d'exil. Sur cela, 450 avaient demandé seulement qu'on leur fasse une extension du statut d'exil pour qu'ils puissent s'organiser pour rentrer après. On a refusé et on a donné ce statut seulement qu'aux 20 familles. Donc, si l'ONU est capable, le HCR est capable de dire que la vie de 20 familles est menacée et ne peut pas venir pour des considérations d'ordre politique dans son pays, mais pourquoi on refuse aux 450 autres? Donc, c'est un traitement subjectif. Donc, contrairement à ce que le gouvernement fait penser, les Ivoiriens veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Le problème qui se pose, c'est leur insertion sociale. Après son exposé, le ministre Justin Kone-Katinan s'est prêté aux questions des journalistes auxquelles il a répondu sans embâge. Ce deuxième numéro de la tribune du PPACI a vu la participation de plusieurs cadres du parti. Je pense que après la première édition, celle-là conforte les militants du PPACI et les Ivoiriens sur la volonté du président Laurent Gbagbo d'imprimer une action à son combat politique, à savoir donner chaque fois ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons pour les Ivoiriens. Et c'est en cela que j'apprécie hautement cette conférence, cette tribune, et qui vient combler un vide de communication. Cela dit, les sujets abordés sont des sujets auxquels les Ivoiriens pensent. La tribune, c'est vraiment le lieu privilégié pour éduquer, pour sensibiliser, pour faire en sorte que des gens qui n'ont pas envie de comprendre, de s'éduquer, de s'informer, s'informent effectivement.
Ce que j'ai vraiment apprécié chez le ministre Kone Katina, c'est qu'il a parlé sur la base de faits. Il n'a pas fait un discours pour endormir ou pour montrer qu'il parle anglais, français, etc. Mais concernant la vie de la nation, il a parlé du présent et surtout du futur. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de la tribune du PPACI.